Bonjour. Kant nous a demandé de vous présenter un modèle inspirant, une personnalité engagée. Nous avons tout de suite pensé à un groupe de personnes, les auteurs québécois de littérature jeunesse. Nous avons choisi de vous présenter trois auteurs qui, par leur parcours, ont aidé à des milliers de Québécois à élargir leurs connaissances sur la francophonie. Tout d'abord, nous vous parlerons du cheminement de Dominique de Mers, puis d'Yves Nadon, suivi de Yvon Brochu. Qu'est-ce que Dominique de Mers a fait de si remarquable au niveau de la francophonie? Elle a écrit des romans et des albums formidables qui sont porteurs d'espoir. Elle utilise un vocabulaire précis et puissant à la fois. Qu'a-t-elle fait de plus que les autres auteurs québécois? Elle donne des conférences aux enseignants et aux parents sur le bonheur de lire. Elle a même fait un livre qui nous partage ses secrets. Pourriez-vous nous lire un extrait de votre livre préféré? Oui, voici un passage de Secret des dragons de Dominique de Mers. Il a craché des flammes deux fois, les deux seules fois où je l'ai laissé seul. La conclusion est claire, mon bébé dragon doit m'accompagner à l'école. Maintenant, pourriez-vous nous parler d'Yves Nadon? Oui, c'est un enseignant qui n'enseigne qu'avec la littérature jeunesse. Il est maintenant retraité, mais avait une classe à rêver avec une baignoire, une toilette et une mezzanine afin que les élèves se sentent comme s'ils lisaient à la maison. De plus, il a travaillé pendant 20 ans à la maison d'édition des 400 coups. Puis, il a publié quelques albums, dont son plus récent, Grand-mère, elle et moi. De plus, afin de partager son amour pour les livres, il organise un congrès à tous les deux ans qui se nomme « De craies et de mots » pour partager l'amour de la lecture aux enseignants. Il fait venir des auteurs francophones de partout dans le monde. Une belle manière de faire rayonner la francophonie. Pouvez-vous nous parler de Yvon Brochu? Il est l'auteur de la fameuse collection de Galoche, ce chien si attachant. Puis, il a créé sa propre maison d'édition, Foulire. Elle se démarque des autres maisons d'édition. Il consacre beaucoup de temps et d'énergie afin de développer le goût de lecture chez les jeunes. Toutes ses collections sont attrayantes et ont un ton humoristique. Monsieur Brochu a développé une plateforme web où les élèves retrouvent leurs personnages favoris dans des activités interactives. En conclusion, ces trois auteurs de renom ont un grand impact sur le développement de la francophonie, car ils nous permettent de développer le plaisir de lire et par la même occasion, le plaisir d'écrire. Ces auteurs sont de vrais ponts vivants entre des milliers de lecteurs qui ont par la suite transmis leur passion à des milliers d'enfants. Thank you.